Tout ce que j'ai appris est vraiment effrayant. Ça fait peur de répéter. Et ce que je viens d'apprendre ici est misérable. Pas moyen de le répéter. Ah. Nos ancêtres ont dit, si le serpent est déjà perçu par quelqu'un, il devient très dangereux et il peut mordre. Ah. Nos ancêtres doivent être informés de tout ça. Nous devons les informer. Igwe, Okwidike a tué ma femme. Je veux te parler, s'il te plaît. J'ai un message pour toi. Attends, peu importe ce que tu veux lui dire, dis-le ici. On a un travail à faire et on doit le terminer vite. J'ai un message pour toi et c'est vraiment important. Viens chez moi ce soir avec Deiner, n'oublie pas. C'est vraiment important ce que j'ai à te dire. N'oublie pas, s'il te plaît. J'y viendrai, oui. Faisons... bougeons, c'est... Si... Les bouger. J'arrive. Laisse-moi... Juste, dis-leur, hein. Dis-leur ce qu'ils doivent faire. Je ne vais pas traîner. Je vais faire vite, hein. J'arrive. Attends-moi. Oh. Que dois-je vraiment faire pour sortir de ces problèmes? Hey! Je dois trouver. Vraiment trouver une solution pour résoudre ce problème. Je dois informer les anciens. Ça ne peut pas se faire pour rien. Il y a quelqu'un qui l'a fait et nous devons le connaître. Comment ceci peut se produire? Ne t'en fais pas. Oh, qu'y a-t-il? Parle-moi, non? Francisca. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Okudike, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment un sérieux problème. Quel problème? La nouvelle de la mort de cette femme a été connue. Je viens d'apprendre que Igwe a décidé de me voir chez lui demain matin. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela que tu te paniques? Hein? Oui. Le problème avec toi, Ogo, est que tu rends toutes les choses simples. Quelqu'un vient te dire qu'il est en train de se faire brûler par les fées. Et tu prends ça à la légère. Je n'aime pas ça. Je t'ai dit que j'ai un problème. Okudike, dis-moi, comment l'éprouveront-ils, ces fées?
Comment l'éprouveront-ils? Hein? Qu'est-ce qui a empêché cette fille de pouvoir dire ceci avant? Hein? Elle était la seule personne à le voir. Et qui va lui croire? Hein? Deuxièmement, j'ai vu Peter dans la maison d'Obidia la nuit où elle était tuée. Personne n'osera le prouver. Ça sera une confusion. Personne ne le fera. Hein? Oui, je suis d'accord avec toi que ça sera difficile à prouver, mais... Alors, si on me demandait d'aller auprès de Ukokodi Indi pour gérer, je vais mourir. Ça va me tuer. Okudike. Okudike. Hey, hey. Okudike. Combien de fois t'ai-je appelé? Hein? Ogo, s'il te plaît, trouve-moi une solution. Arrête de m'appeler. Je t'ai dit que j'ai un sérieux problème. Ok. Je suis en train de te donner une assurance. Et garde-la. Et rien ne t'arrivera. Mais moi, je te soutiens. Je suis derrière toi. Solidement. Et toi, t'es entre de bonnes mains. Rien ne t'arrivera. Tu as peur. Toi qui es avec moi. Moi qui... Attends. Je pense qu'il y a un moyen. Quel moyen? Tuer cette sœur religieuse. Alta Bahia! N'y compte même pas. N'y pense même pas. Hein? N'ose même pas avec ce moyen. Écoute-moi. Si quelque chose de mal arrivait à cette fille-là, et toute la communauté sera au courant et cherchera le pourquoi. N'ose même pas faire ce que tu penses. Non, 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 non. Hein? Je ne te soutiendrai pas. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère des Dieux, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Jean, prie pour nous. Saint Paul, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment allez-vous? Bien, merci. Sœur Monica, sois la bienvenue. Merci. J'étais venue hier pour notre prière du soir. Et on m'avait appris ce qui s'était passé. Hey! Je suis désolée. De rien, ma chérie. J'ai tout abandonné entre les mains du Seigneur. Je vous avais trouvé au moment de votre prière. Mais je sais que la Bible dit que seul à Jésus que nous pouvons tout demander. Écoute, tu peux parcourir toute la Bible. Il n'y a aucun verset ni chapitre où il est écrit que les anges, le saint, ni les ancêtres ne peuvent écouter notre prière. On ne peut se permettre de célébrer une messe de mort. Où est-ce qu'on a parlé d'une messe de mort dans la Bible? La Bible déclare dans Jean 46, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père que par lui. » Sœur Francisca, Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Sœur Francisca, la Bible déclare dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? » Sœur Monica, je te remercie de tout cœur. Je suis vraiment ravie de ta visite. Merci. Je viendrai toujours vous rendre visite. Merci. Bonne nuit à toi. Merci à toi aussi. Oui, Sœur Joy. Sœur Francisca. Oui, Sœur Joy. Je sais que tu as l'intention de demander... Bien sûr. Pourquoi je ne suis pas fâchée? Elle est la fille de Igwe. Elle est princesse. Tu sais, tout ça c'est parce que elle a été envoyée à l'école. Mm-hmm. Et après quelque temps,
elle a trouvé la grâce de lire cette Bible là au campus. Et maintenant, elle acclame et se dit qu'elle connaît la lumière. Et maintenant, elle est devenue fanatique religieuse en oubliant que si elle n'ose pas dire à son père Igwe qu'il ira en enfer s'il ne donne pas sa vie en Jésus-Christ. Ah, es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Igwe doit cesser avec la vie qu'il mène. J'ai entendu qu'elle se promène partout avec sa Bible. Mais, pourquoi n'a-t-elle pas parlé à son père Igwe? Parce que je vois, c'est comme si elle est... Elle n'est pas vraiment normale. Ah, n'ose pas dire ça. Tu l'as aussi prêté ton oreille. Hein? N'ose pas dire ça, s'il te plaît. Je te parle, mais je ne te condamne pas. Il n'y a pas de problème. Il est temps qu'on dorme. Bonne nuit à toi. À toi aussi. Bonjour, catéchiste. Bonjour, catéchiste. Ah, bonjour, mes sœurs. Je vous accueille dans la joie. Nous voulons voir le révérend. Il n'est pas seul dans son bureau. Quand il aura fini, il va vous appeler. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Je n'ai pas demandé tes enfants. Comment ils se portent? Je te remercie d'avoir pensé à eux. Ils vont bien. Juste la cadette qui était un peu malade. Mais maintenant, ça va. Elle va mieux maintenant. Donc, ça va. Hein, ça va. Mes salutations à eux. Mes salutations à eux. Merci. Sœur Francis, tu me permettras de te poser cette question. Pourquoi as-tu accepté de rester chez Igwe, chez lui au palais? Je crois que le révérend te dira aussi la même chose. Parce que on prépare comment t'accueillir au palais. Honnêtement, je suis sûre d'être protégée là-bas. Protégée? Je crois que c'est... Il est seul, okay. Vas-y. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Catéchiste, je m'en vais. Ah. Je reviendrai vous voir le vendredi. Comment va ta vie de mariage? Trop bien. Bonne journée. Merci pareillement. Salut ta femme de ma part. Je le ferai. Sœur Joyce. Monsieur. En ce qui concerne ta mère, la paroisse a pris la décision d'abandonner les enquêtes et l'enterrer directement. On l'enterre directement? Avec tout ce qui se passe? Oh non, révérend. On ne peut pas avoir peur de tout ce qui se passe. C'est ma mère qu'on a tuée et je dois faire une revanche. Revanche. Sais-tu ce que tu dis, Francisca? Pardon, révérend. Je veux que la paroisse puisse m'aider. Et l'aide que je veux provenant de vous. Et que le corps de ma mère reste encore un peu. Jusqu'à ce que je vengerai sa mort. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essaies exactement de faire? Francisca, tu es la sœur d'un révérend. Tu as accepté de servir Dieu. Un cas pareil dans la paroisse, on doit le laisser à Dieu. C'est la raison pour laquelle je te parle de la sorte. Parce que c'est Dieu qui est supposé combattre à ta place, pas toi. Je sais, révérend. Mais il y a une chose que je dois d'abord faire. Et après, la paroisse pourra faire quelque chose. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Révérend, est-ce que la paroisse peut se précipiter à enterrer ma mort parce qu'ils n'ont pas le temps de venger sa mort? Ou c'est un devoir pour la paroisse d'honorer cette femme qui a donné son propre enfant? Je fais allusion à son unique fille au service de Dieu. Mais après tout ça, elle a subi la mort en secret et on ne connaît même pas les gens qui l'ont tuée. Réponds-moi, révérend. Ah, oh, sœur Francisca. Révérend, je ne sais pas si vous avez vu le corps de ma mère. Ma mère était une femme bien heureuse. Elle est décédée avec une peine. Elle est décédée comme un non-croyant. Avec une machette comme une chèvre. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Ne pleure pas, sœur. Tes larmes ne vont pas la ramener en vie.
Et donc, nous étions si loin, nous deux. Quand j'étais venue pour rejoindre ma mère, elle avait insisté tout en me permettant de reporter à Nye Peter ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous. Hein? Ma mère et moi avions vu Nye Okudike en train d'étrangler Okadi. Quoi? Moi? Lentement. Que viens-tu de dire? Igwe, je viens de dire que ma mère et moi avions vu Nye Okudike en train d'étrangler Okadi. Est-ce une blague? Jeune fille, est-ce une blague? Igwe, les anciens, regardez-moi. Regardez-moi, Okudike, Akudjiebwe. Arrêtez tout ce que j'étais en train de faire. Entrez dans la forêt, seul, pour aller attaquer une femme enceinte, l'étrangler. Pourquoi devrais-je tuer une femme enceinte? Altal Bahie. Je le ferai pour gagner combien? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Okudike. Ok. Mets-toi. Igwe. Igwe. Ma soeur. Okadi a été tué. 30 jours passés. Ta mère aussi vient d'être tuée de la même façon. Et on l'a enterrée la semaine passée. Maintenant, dis-nous. Pourquoi cela t'a pris 30 longs jours? Pour que tu viennes nous dire tout ce que tu as dit. Igwe. Comme je viens de le dire tantôt, je voulais bien aller reporter à Nye Peter. Mais ma mère m'avait demandé d'être en dehors de ces choses. Et quand le temps sera favorable, elle ira elle-même informer. Est-ce que ta mère t'avait dit la raison de son action ou de sa réaction? Non, Igwe. Pourquoi? L'avais-tu demandé? Non, Igwe. Ma fille, ne sais-tu pas que Adjou est arrivé avec ça à temps? Adjou a agi à temps. Et c'est possible que Okadi ait menti pour qu'elle soit sauvée. Ma mère me l'avait interdit. C'était pas de ma faute. Écoute notre fille. Le monsieur qui est ici est catéchiste. Lui avais-tu informé? Non, Nye. Tu vois? Tu l'as même pas dit. Je pensais que quand vous allez à l'église, vous allez chez le catéchiste et au révérend père pour la confession. N'est-ce pas? Leur avais-tu informé? Les voyez-vous? Voyez-vous? Qui t'a payé pour me salir? Combien on t'a payé, jeune fille? Combien on t'a payé pour me faire chanter? Okudike. Okudike. Igwe. J'ai dit mets-toi. Mets-toi. Igwe. Igwe, protège-moi. Mets-toi. Nous devons finir ce problème. Peter, il y a quelque chose que tu m'avais dit quand je rentrais. Peux-tu le dire aux anciens? Dites-les-leur ce que tu m'as dit. Igwe, les anciens. Vas-y. Avant la nuit où Ubidi était tué, elle m'avait invité chez elle à la maison.
elle était prête à me dire la personne qui a tué ma femme. Avant que Oku vienne et m'appeler dehors, on n'avait pas fini. L'avais-tu dit à quelqu'un d'autre après ça? Non. Pourquoi? Vous voyez, j'étais confus. Parce que je ne peux pas imaginer que Okudike ait tué ma femme, la seule personne qui m'aide financièrement. Mais la façon dont elle a réagi était étrange. Qu'est-ce qui a fait que tu dises que sa réaction était étrange? Que je dise la vérité. Il n'était pas d'humeur. Juste parce que il ne voulait même pas que la femme là puisse dire ce dont elle voulait. Peter, c'est de cette façon-là que tu oses parler? Pourquoi cette ingratitude? Hein? Essayons vraiment de bien comprendre que la personne qui a dépensé 70 000 nègres pour t'aider, et tu te permets de les salir. Hein? Ok, dis à tous ces anciens et à Igwe, pourquoi au moment où je suis venu toquer à ta porte, cette femme ne t'avait rien dit jusque-là? Dis-nous! J'étais sorti la nuit, vers 23h, et j'étais juste assis. Et au moment où elle a seulement voulu... Les anciens, l'avez-vous entendu? On est au point de découvrir la vérité. Il a dit que c'était vers 23h, donc presque à minuit. Dis-nous ce que tu faisais pendant ces temps-là. Peter, la vérité est que tu n'as pas seulement couché avec cette femme, mais vous deux, vous vous êtes convenus d'accuser Okudike du meurtre de ta femme. Oui. Igwe, le seulement que Okubu me tue et toute ma famille. Parce qu'on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau et je ne peux pas l'admettre. Atabaye. Non, Peter, ce n'est même pas ça. Igwe, je sais ce que nous avons vu. Je sais même ce que ma mère lui avait informé. Tu sais ce que vous aviez vu? Oui. Qu'aviez-vous vu? Qu'est-ce que toi et ta mère aviez vu? Altabaye. Igwe, on doit aller à la police. Ce dossier doit arriver à la police. Oui. C'est la seule chose qui va restaurer ma réputation. Oui. Ce dossier doit arriver à la police, Igwe. C'est fini, mais toi, ce que tu avais vu, ce que ta mère avait vu. Les anciens de notre village. Igwe. Vous avez entendu? On a vu. Avez-vous tous entendu? Je crois que ce problème devient de plus en plus compliqué. Oui, Sa Majesté. Mais de toutes les façons, nous devons toujours le résoudre. Nous n'allons pas impliquer la police dans cette affaire. Nous devons plutôt aller chez nos ancêtres pour la solution de ces problèmes. Raison pour laquelle nous devons faire appel à Ogogo. C'est bien dit. Non. Nous partageons la même idée. Non. Francisca est une croyante. Hein? Et le croyant ne jure pas. Est-ce que quelqu'un peut enlever cette folle de ma vue? Attends, Bayer! La Bible l'interdit. Attends, Bayer! Je dis que quelqu'un enlève cette fille de ma vue vite. Attends, Bayer! Les anciens de notre village. Igwe. C'est ça mon jugement. Okudike. Oui, Igwe. Peter. Igwe. Ogu. Igwe. Et toi, ma soeur. Vous quatre, vous devez venir demain et apparaître devant Ogu. Et vous allez tous jurer sur Ogogo. Oui, et c'est oui, ça c'est ma ça, proposition. Oui, bien. Igwe, comment sommes-nous tous impliqués dans ces jurements? Ogogo est un tueur courant. Hein? La personne qui est accusée doit aller jurer seule. Nous ne devons pas tous être impliqués. Ogo. Igwe, je l'ai déjà dit. Ma fille,
Ce n'est pas un petit problème. Qu'allons-nous faire? Sœur Francisca, pourquoi ne nous as-tu dit pas que c'est des problèmes qu'on allait traiter? Pourquoi? Jésus-Christ! Il m'avait stoppé. La Sainte Marie pleine de grâce. C'est une vérité. Il avait tué ma mère. Comment vas-tu la prouver? Je veux dire, comment? Hein? Cette histoire est très simple à comprendre. Tout ce que je dis est vrai. Il avait tué cette femme. Et je ne peux jamais l'oublier dans ma tête. C'est lui qui est à la base de la mort de ma mère. J'avais même lu ça sur son visage. Qu'as-tu lu sur son visage? C'est lui qui avait tué ma mère. Catéchiste, pardon. Que pouvons-nous faire maintenant? Pour moi, la sœur Francisca a un grand problème. Elle a un problème. Jésus-Christ. Hey! Écoute-moi très bien. Nayoka, je veux que vous m'apportiez de l'aide. Cesse de pleurer. C'est pour ça que je suis là. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est que tu entres là-bas et tu sois calme. Beaucoup de gens viendront aujourd'hui pour entendre ce que tu diras. Mais je ne veux même pas que tu parles à une personne. Nay. Et en sortant, je vais laisser des instructions que tout le monde qui viendra te chercher, qu'on lui dise que tu es déjà rentré à la mission. Ok? Ok. Toi, sois calme. C'est très bien. J'ai vraiment envie de méditer. Je pense que tu as compris. Mais moi aussi, j'avais envie. Tu ne peux pas. Entrez. Sœur Monica, c'est bien toi? Oui. Sœur Francisca. Oui? Je veux te dire une chose. Toi, tu es la fille de Sion. Je sais que tu as peur. Mais la Bible le déclare dans le livre de Zaï, 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve ne te submergera point. Sœur Francisca, si elle termine, tu me fais signe. Écoute-moi, Sœur Francisca. Dieu m'a demandé de te dire de ne pas jurer. Tu sais que parmi les 10 commandements, il est dit qu'on ne peut pas s'agenouiller devant une quelconque statue. Si nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 20, du 3e au 5e verset, il est écrit qu'on ne peut pas voir d'autre Dieu devant sa face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque, si ce n'est que lui, le Dieu qui est aux cieux. Nous ne pouvons pas nous prosterner ni adorer ce genre de Dieu. Parce que moi, votre Dieu, je reste Dieu pour toujours. Le péché que les parents commettent seront payés par leurs enfants. Et cela atteint jusque la 4e génération. Et encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 34 jusqu'à 36, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône des dieux. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Car ce qu'on y ajoute
vient du malin. Mais, sœur Monica, il m'attend pour que je jure demain. Sœur Francisca, à quel commandement dois-tu obéir? Celui de Igwe? Ou celui du révérend père? Ou encore celui de Dieu? Est-ce vrai que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Sœur Francisca, Jésus est le chemin. Que ton regard soit sur lui. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous arrive. Toutes ces photos que vous avez collées sur les murs et toutes ces choses que je vois et même la façon de vous habiller, cela ne vaut rien. La chose la plus importante, c'est de faire ce que la Bible nous demande. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Catéchiste. Révérend. Arrête de la blâmer. Toi et moi savons bien qu'elle ne ment pas. Nous devons plutôt l'aider à résoudre ses problèmes. Ça la dérange beaucoup. Et père, qu'allons-nous faire parce qu'elle doit jurer demain? Je t'avais dit. Fais tout simplement ce que je t'avais dit. On ne peut pas accepter cela. C'est contre la doctrine de notre église. Oui, c'est bon. Sûr que ça va marcher? Nous ne sommes pas en train de blaguer. Es-tu sûr que ça va marcher? Okudike, combien de fois te dirais-je de ne pas douter à ma puissance? Même à ma force? Hein? Non. Je te l'ai dit toujours à plusieurs fois. En effet, tu vas payer une amende de 5000 naira pour apaiser les dieux. C'est ce que tu dois faire pour que ça marche. Tu dois payer une amende de 5000 naira. Les dieux ne sont pas contents de tout ça. Je ne vais rien te donner. Altal Baïe. Oui, ça c'est du chantage. Tu es mon ami, je ne te donnerai rien. Ok, oublions tout alors. Et voyons qui sera dans la soupe. Oublie tout ça. Ça c'est un chantage. Hein? Comment peux-tu me faire ça? Je t'ai déjà dit, oublions tout ça. Bien, garde bien ton argent et on verra à qui tu le remettras. Ok, l'argent est là. Hey! Es-tu devenu un enfant? Tu n'as plus d'oreilles toi. Dis-moi.
tu vois notre travail. C'est des travaux de secret. Tu penses que c'est un petit travail? Si c'est facile, alors arrange-toi à venir le faire. Hein? Sous le docteur traditionnel les plus réputés. Hein? C'est pas aujourd'hui que moi j'ai commencé ces affaires. Je le fais depuis longtemps. Tu le sais. Hein? Hey! Regarde. Prends. Tu vas l'avaler avant que tu ne quittes ta maison. Que personne ne te voie. Une fois que tu le fais, peu importe tout ce que le prêtre fera, aucun problème ne t'arrivera. Tu vois, derrière tel que tu es là, tu ne le feras même pas. Parce qu'il y aura quelqu'un qui le fera à ta place et mourra avant même que toi tu le fasses. Hein? Fais-le. La victoire sera la tienne. Tu y es guéri, c'est fini. Je vais tout avaler. Tout. Ne laisse même pas un peu. Tu es mon ami et pourquoi as-tu peur? Ça tiendra, je te rassure. C'est pour cela que je dis que tu es le meilleur ami que je n'ai jamais connu. Tu es parmi les gens qui nous aident dans ce village. Hein? C'est comme ça. Sœur Francisca, tu as de la visite. Dis-leur de patienter. J'arrive. To free your captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice. Francisca, tu es en retard. Tu vois, je l'avais dit. Tout le village est là et n'attend que toi. Francisca, prends un peu courage. J'étais en train de faire une petite prière. Vous le savez très bien que moi, j'aime la prière. Hein, ok, aie le courage, hein, allons-y. Allons-y, c'est fini. Ne t'inquiète pas, Dieu sera avec toi. Allons-y. C'est fini, allons-y, hein. Ne t'inquiète pas, allons-y. Francisca, ne fais pas ça. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne fais pas ce que les hommes te disent. N'ose pas jurer. Oh, Francisca, ne parle pas avec elle. N'ose pas faire ce que les hommes disent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Écoute-moi. Ni c'est à cause de la Bible, nous serions morts. Essaye de faire ce que la parole de Dieu nous demande. Reste sur la vérité. Et tu resteras juste devant Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre? Je n'ai vraiment rien à faire. Laisse-la partir. Hey! Ne jure pas. Écoute-moi. Abraham était prêt à sacrifier son unique fils juste pour faire la volonté de Dieu. N'ose pas le faire. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ok, laisse-la. Allons-y, allons-y.
catéchiste. Oui. Je trouve que ce n'est pas prudent de notre part de partir si vite comme ça. Comment, catéchiste? On n'a pas l'habitude de faire les choses comme ça. Ok, sois derrière et suis-nous. Le dieu de nos ancêtres, le dieu de la justice, le dieu de pardon, cet homme ici va jurer devant toi que ta justice soit faite pour ton honneur. Hein? Pardonne-lui si seulement elle le mérite. Viens ici. Si elle doit jurer, qu'elle le fasse avec la Bible. Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Tu ne peux pas jurer avec ce bâtiment. Tu dois le faire. Non, tu dois le faire. Tu es obligé. Tu as fait ça, bâton. Tu l'appelles vraiment bâton. Je ne peux pas. C'est fait par le maître des hommes. Et cette Bible qui est entre tes mains, qui l'a écrite, n'est-ce pas des hommes? Les chapelets que tu mets sur ton cou avant de prier, qui l'a fabriqué? N'est-ce pas un homme? Réponds, on t'attend. Je vais te tuer. Si c'est comme ça, je ne vais plus jurer. Non. Sœur Francisca, qu'as-tu fait là-bas, hein? Et maintenant, la personne te croira parce que tu n'as même pas juré. Hein? Je ne peux jamais jurer de la sorte. Si tel est le cas que je meurs, Dieu connaît la vérité. D'ailleurs, je suis une sœur religieuse. Je ne peux pas. Sœur Francisca, pourquoi tout ça? Je veux dire, pourquoi toutes ces bêtises? Pourquoi nous fais-tu comme ça? Et si catéchiste et les autres n'étaient pas avec nous? Pourquoi as-tu pris cette décision? Regardez, et maintenant moi je suspecte. Il y a des histoires que tu ne veux pas dire aux gens. Et je pense maintenant que c'est toi, tu es en train de nous mentir. Non, Igwe, je ne mens pas. Je connais la vérité. Votre Majesté, Okodike, regardez cette fille. Regardez cette fille, elle nous a tous sabotés. On était parti pour jurer et elle a refusé de jurer. Elle a gâché mon unique opportunité de restaurer ma réputation qu'elle a elle-même détruite. Elle a exagéré, Igwe. Igwe, cette fille s'est jouée de nous. Elle nous a tous amenés là-bas, mais elle a refusé de jurer. Okodike. Akodi, Igwe. Laisse-moi ce problème et j'en finirai. D'accord. J'en finirai. Merci.
C'est bien, mon roi. Vas-y. D'accord, votre majesté. Igwe. Igwe, merci beaucoup. Merci, Sa Majesté. Côté juste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Côté juste. Oh, cette Marie. Côté juste. J'ai comme l'impression que tout devient de plus en plus grave. Fais quelque chose. Fais quelque chose même pour notre soeur, Côté juste, pardon. Fais-en, Sissi. Toi, retourne à l'intérieur. Côté juste. Moi, je vais un peu plus vite rencontrer le reverend. Et toi, rentre là-bas. Je te l'avais déjà dit. Je croyais que cette fille-là allait avoir le courage de jurer. Moi, j'en ai tombé. Oh, ouais. Mais plutôt de la fouille. C'était ce que je t'avais dit. Je t'avais déjà parlé de ça. Hein? Je vais te recommander auprès de tous mes amis, surtout les hommes politiques. Hein? Je le mérite. Ça, c'est pour toi. Je le mérite. Je le mérite. Balai. Prépare-les. Mange-les. Merci beaucoup. Voilà. Peu importe ce qui t'arrivera. Qu'ils montent, qu'ils descendent. Insiste qu'elles jurent. Continue à faire la pression. N'ose même pas blaguer avec eux. Et si elle décidait de jurer? Laisse tout ça à moi. Laisse ça à Ogou. Hein? Apporte-le mon cas. N'gawa mon mousse kaiba, n'gawa po. À nous revoir. N'gawa. Hey! N'gawa mané, bon, depuis que j'ai eu. Kenny, j'ai eu un cas, Kenny, Kadi. Manama kaye, mais. Manama kaye, mais. Manama kaye, mais. Manama kaye, mais. Manama kaye, manama kaye. Arrête de pleurer.
Hein? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Hein? Même si tu pleurais aujourd'hui jusqu'à l'infini, elle ne peut plus revenir. Allons à l'intérieur. Qu'a-t-elle fait, ma femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oublions cette histoire. Laissons-la entre les mains de Dieu. Hein? Dieu lui-même punira les responsables de ces meurtres. Il ne va jamais t'abandonner. Rentrons à la maison, s'il te plaît. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas mangé. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allons-y. Allons à la maison. Ah! Comment tu peux te faire ça? Oh, ce n'est pas juste. Hein? Tu ne mérites pas tout ça. Hein? Sois fort, s'il te plaît. Notre Seigneur s'en chargera de cet homme. Sœur Monica. Sœur Francisca. Oui. As-tu peur? Non, pas du tout. Je l'ai lu sur ton visage. Sœur Monica, j'apprécie toujours ta façon de lire la Bible. Sœur Francisca, as-tu déjà entendu que j'ai fait une folle? Oui, ça fait vraiment un bail. Même les Juifs commençaient à parler de Jésus quand il s'était révélé en eux. Mais je sais que ce n'est pas une vérité. Je sais que tu n'es pas folle. Je ne suis pas folle. Mais tu as peur. Écoute, la Bible déclare qu'aucune tentation ne peut nous arriver si Dieu ne nous donne pas la force de la vaincre. La Bible dit, Dieu dit qu'il ne permettra pas que nous passions sur un chemin qu'on ne pourra pas. Non, sœur Monica. Cette situation ne concerne même pas la Bible. Écoute, nous ne voyons pas Dieu, mais il est ici. Tout ceci est vrai, tu le sais bien. Aie juste la foi. Oui. Ils le savent. Eux tous. Ce sont eux qui ont tué ma mère. Écoute, arrête de pleurer. Viens dans mes bras. Ils ont tué ma mère. Ne crains rien, s'il te plaît. Viens avec moi. Arrête de pleurer. Ils ont tué ma mère. Arrête de pleurer. C'est fini. Ils sont des mauvais cœurs. Ils ont tué ma mère. Je suis restée orpheline. Oh mon Arrête Dieu. Arrête de pleurer. Dieu est là. Hein? Ah non. T'inquiète. N'oublie jamais la parole de Dieu. Marche selon sa parole. Reste toujours ferme dans cette parole. Tiens toujours la vérité. Et Dieu te protégera et t'aidera. Quel que soit le genre de problème que tu as, toi ne crains rien. Compte toujours sur Dieu. Lui n'abandonne jamais ceux qui sont en lui. Il est toujours avec eux jusqu'à la fin. Il le protège. La voilà. C'est celle-ci. Sœur, tu es en état d'arrestation pour avoir porté de fausses accusations. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Igwe n'est pas là. Veux-tu nous apprendre notre travail? Vous ne pouvez pas l'arrêter. Allons-y. C'est quoi ça? Allons-y, vite, vite. C'est un ordre. Mais vous ne pouvez pas agir ici. C'est quoi? Quitte ici. Laissez-la tranquille. C'est quoi ça? Non. Avance. Laissez-la. Laissez-la. Avance. C'est quoi ça? Laissez-la. Rentre ici. Laissez-la. On y va. Francisca, Igwe n'est pas là. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, c'est quoi ça?
Francisca, je t'ai demandé de rentrer, je suis arrêté. Fais les pots cassés. Francisca! Pourquoi, catéchiste? Pourquoi? Mais pourquoi elle devrait le faire? Après tous mes avertissements, elle a fini par prendre la décision d'aller jurer. Père, d'après moi, c'était vraiment une bonne option pour qu'on enterre sa maman en paix. Oh non! Comment je vais résoudre ces problèmes? Pourquoi toutes ces complications, Seigneur? J'en sais pas trop. C'est pour ça que je suis venu pour que tu en décides. Père, catéchiste, c'est la sœur Francisca. Elle a été arrêtée par la police. Quoi? Sœur Francisca, la police l'a amenée. Mais non, mais non, qu'est-ce qu'on va faire? Où? Il serait mieux qu'on est ensemble. Allons voir ce qui se passe. Hey, you're my true. Hey, you're my.
C'est Francisca. Mon ami, prends-toi t'asseoir là-bas. Ne fais pas de bruit ici, oh. Assieds-toi, tu me regardes. Officier. S'il vous plaît, nous voulons voir Sir Francis. Dieu merci parce que vous êtes là. S'il vous plaît, sortez-moi de ces lieux. Sœur, j'espère qu'ils ne t'ont pas fait du mal. Non, révérend. Sœur Francisca, tu n'as pas à avoir peur, hein? Ok. Écoute, ma sœur. La façon dont les choses avancent, tu es mieux placé à y mettre fin. Non, c'est nous qui allons t'aider. Je dois parler à l'OPJ et voir ce qu'on peut faire. L'important est que tu sortes d'abord d'ici. Pardon, révérend. Officier, s'il vous plaît, pouvons-nous rencontrer l'OPJ? Si je peux demander, pourquoi voulez-vous les voir? C'est pour le cas de notre sœur. Nous voudrons lui parler. Ah. Monsieur Ben, yeah. Amène-les au bureau de l'OPJ. Ok. Allez-y. S'il vous plaît, ne déroge pas, tout ira bien. Madame, s'il te plaît, arrête de faire du bruit. On fait notre travail. Tes cris là ne nous intéressent pas. Regarde là, soi-disant une sœur religieuse. Pardonnez-moi. Madame, ça suffit. Toi, assieds-toi. N'importe quoi. Toi, tu ne veux pas écouter. Tu pleures toujours. Tu es une sœur religieuse. Appelle Dieu. Dis-lui de venir te sortir d'ici. N'importe quoi. Madame, va te mettre là-bas. Bonjour, maman. Bonjour. J'avais besoin de vous. C'est pour la sœur Francisca. Elle a été arrêtée par la police. Quoi? C'est pour le même problème de Okudike. Je l'avais laissée à la maison, moi je l'ai sortie. Quand je suis de retour, on me forme chez Monica qu'elle a été arrêtée. Elle m'avait encore dit que les policiers étaient accompagnés de Okudike pour l'arrêter. J'espère qu'elle n'avait pas juré. Elle n'avait pas juré. Je me suis dit de venir vous informer. Parce que vous pouvez faire quelque chose pour faire sortir Sir Francisca. Je ne sais pas ce que moi je peux faire, mais attends, s'il je vous veux plaît, voir maman. Si... S'il vous plaît. S'il te plaît, attends. Cette lettre. Merci. Merci. Okudike, réalises-tu que tu viens de m'insulter avec ce que tu viens de faire? Réalises-tu que tu viens à peine de saboter mon trône? Okudike, tu y as vraiment sali ce trône. Tu as sali ce palais. Tu as sali vraiment mon trône. Tu as mal fait. Igwe, je suis désolé pour ce que je viens de faire, Votre Majesté. Ce n'était pas intentionnel de ma part, Igwe, de vous montrer une telle désobéissance, mon roi, mais... Igwe, si vous étiez à ma place, vous auriez fait la même chose. Honnêtement, dans une circonstance pareille, tout le monde ferait la même chose.
Okunike. Je vous avais tous appelé ici au palais. Nous avions déjà parlé de ce problème. Et nous en avons déjà tiré une conclusion. Une petite fille qui a trouvé le refuge dans mon palais. Dans ma maison. Comprends-tu ce que tu viens de faire? Votre Majesté, je suis désolé, mon roi, mais je voulais juste faire voir au monde mon innocence. Votre Majesté, cette petite fille m'accuse d'un meurtre et presque tout le monde croit en ce qu'elle dit. Je devrais faire quelque chose. Je ne l'ai pas amenée à la police parce que je voulais la punir, mais sous votre respect, je voulais juste que la police amène ses dossiers devant la cour. C'est de cette façon-là que je prouverai mon innocence. Je restaurerai ma réputation. C'était le seul moyen. Je n'avais pas d'autre choix. Et pour ce que vous avez dit, que je vous ai insulté, défié votre autorité, je m'en excuse, mon roi. Je n'avais pas d'autre choix. Comprenez-moi. Okunike. Sache-le bien que je suis Igwe, même dans ces problèmes. Oui, je le sais. Je suis assis sur ce fauteuil il y a beaucoup d'années. Et j'ai fait beaucoup de jugements concernant cette terre. Est-ce que tu les comprends? Ce que toi tu as fait aujourd'hui n'a jamais été fait par une autre personne. Okunike, je te demande maintenant d'aller au commissariat. Et amène-moi cette fille-là. Du commissariat jusqu'ici au palais. Là, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Sous votre respect, votre majesté, ça c'est une mission très difficile pour moi parce que si je la sors de cette prison et que j'ai retiré ma plainte à la police, ça serait pour confirmer que c'est moi le meurtrier. Et ce n'est pas du tout bien pour ma personne et pour ma réputation. Mais comme vous m'avez obligé de faire ceci, je trouverai une meilleure façon de le faire qui va réparer ma réputation en même temps. Agoudje, Igwe. Et me dit quoi, Igwe? Vas-y, va le faire aujourd'hui. Et je serai derrière toi. Je vous ai entendu. Bonne journée, Igwe. Oui, vas-y bien. Ah. Akoudjebo. Francisca, c'est que sûr et que tu mentais. Qu'est-ce qu'Okunike dira de moi? Si c'était vrai, pourquoi n'as-tu pas juré? Juré sur Okuku, tu as refusé. Juré sur ta propre Bible, tu as refusé. Ok, comment veux-tu jurer? Juré sur moi. Tais-toi et ferme ta bouche, mon ami. Monsieur! Merci. Révérend Père. Mon inquiétude est que vous sachiez que si nous arrêtons tout le monde est tendance confondue, cette religieuse qui est assise, nous l'avons arrêtée suivant les procédures de la loi. OPJ, est-elle en état d'arrestation maintenant? J'ai peur. Et pourquoi ne pas aller chez Okunike pour laisser prier parce que c'est lui qui l'a amené? Ok,
Puis-je dire une prière pour elle? Pas moyen, je ne peux pas le permettre. À plus tard, inspecteur. Monsieur, qu'il parte. Oui, monsieur. Sœur, que le Seigneur soit avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On ne va pas t'oublier dans nos prières. Madame, ça suffit. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Du calme. Son visage et sa tête comme une folle. Tu pensais que tu es la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et qu'est-ce que tu fais ici? Mais attends, Vierge Marie, ne te fâche pas. Hein. Je me demande si toi aussi tu as fait la chose en question. Dis-moi, tu n'as rien fait. Mais tu te retrouves ici. Oh, révérende sœur. Allez, ferme-la. Officier, venez prendre votre sœur. Oh. Je vais la tuer ici. Oh. Maman? Oui. On a fini, hein? Oui, on a fini. Je vais la transporter. Ok. Oui, je le fais. Attends. Fais-moi transporter. Oh. Mais pourquoi tu as fait ça? Maman, s'il te plaît. Tu vois? Tu veux que je te tape? Oh. Attends, alors, réponds. Non, je pense pas. Oh, mais attends, je veux t'aider, non? Oh, c'est quoi ça? Je vais le faire moi-même. Ne touche pas. Je veux t'aider. Mais touche pas, je veux pas. Je veux t'aider. Ah, maman, non, je refuse. C'est quoi ça? Je veux t'aider. Maman, je ne veux pas de problème. Je veux t'aider à transporter. Ok, non? Transporte alors. Est-ce que c'est bon? Ça va, c'est bon. Transporte aussi les tiens. Ok. Sois prudente. Il n'y a pas de problème. Ça pèse? Attention. Maman, ça pèse. Oui, ça se voit. Ça va? Ok. Ça va, on y va. On y va, on y va. Ma fille est forte. Maman, ça pèse. Je sais très bien je que ça pèse. Pas. Marche ma fille. Regarde, il faut le porter comme ça. Porte. Ça c'est pour la tête. Oui. Après tu vas mettre la ceinture. Aide-moi à attacher ces foulards. Ça va comme ça? Oui. Je le fais. Il reste mon chapelet. Mais j'avais vu ça ici. Oui, je l'ai retrouvé. C'est ça. Maintenant, je pense que tout va bien. C'est ça, oui.
Je suis contente pour toi, ma fille. Je suis merci, maman. Contente. Merci. Embrasse-moi. Merci beaucoup, ma fille. Merci, maman. Je suis vraiment heureuse. Oh non! Aidez-moi, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi! Alors, père, je disais, si j'avais pris la décision d'amener ce dossier à la police, c'était pour qu'on finisse devant la cour. C'était la seule option qui me restait pour prouver mon innocence. Voilà pourquoi j'avais pensé à la cour, premièrement. Cette fille m'a humilié devant toute la communauté. Et j'ai moi-même la responsabilité de restaurer ma réputation qui a été salie par elle. Okudike, père. Ce que nous vous demandons, c'est juste que vous puissiez la considérer comme votre propre fille. Et la faire sortir de cette prison d'abord. On a plusieurs options pour résoudre ces problèmes. Père, j'avais essayé de considérer cette fille comme ma propre fille. Le problème est qu'elle n'a pas voulu me considérer comme son père. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Quelle garantie me donnez-vous, père, pour que je la fasse sortir de cette prison? Va-t-elle gérer, même selon votre Bible, qu'elle ne va plus refaire cela? Vous ne pouvez pas me garantir cela. Trop bien. Père, ce n'est pas que je suis contre votre sœur religieuse. Je voulais juste que la justice soit faite. Je peux la faire sortir, mais il faudrait que vous remplissiez quelques conditions. Quelles sont ces conditions? Je suis ici pour vous expliquer comment j'étais innocent. La seule façon pour moi de prouver que je suis innocent est de jurer devant Ogogodidi. Et c'est ce que je vais faire. Ogodike. Oui. Je me demande et je me pose trop de questions. Mais le révérend père devait la conseiller de jurer sur la Bible. Je ne sais pas, mais... Peut-être parce qu'elle savait qu'elle mentait. C'est pour cela qu'elle ne voulait pas. En parlant même de cette Bible. La Bible a été écrite par les humains comme moi et toi, mais pourquoi vous souhaitez toujours jurer sur la Bible? La Bible est le livre de Dieu. Et c'est écrit par le Saint-Esprit. Oui. Bien. C'est ce Saint-Esprit-là qui vous a dit de calomnier les gens. C'est ce que le Saint-Esprit vous dit. Ok. Vous croyez en votre Bible. Montrez-moi où la Bible a dit qu'on ne doit pas jurer. Si vous ne me le montrez pas, montrez-moi où il est écrit qu'il faut jurer. Si la Bible est dans tous les décans, ok. N'oublions pas la Bible. Mais jurons selon la tradition de ces villages d'Amake, que vous savez, nous devons jurer comme nos ancêtres, donc devant Okoukou. Sœur Francis ne le fera jamais. La Bible est plus puissante que votre, je ne sais pas moi comment, Okoukou. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Père, si tu penses que tu peux jurer devant Okoukou et rester en vie, laisse-moi te dire que tu vas mourir en un clin d'œil. D'accord. Comme vous avez décidé de ne pas jurer sur votre Bible que vous utilisez, et vous ne souhaitez non plus le faire devant notre coucou. D'accord, prenez votre Bible
placez-la au-dessus de Coco. Après, j'irai. Peu importe ce qui va arriver, je vais accepter le verdict. Et pourquoi n'accepte-t-elle pas ces conditions, hein? Personne n'a encore insisté. Hein? Pardon, je vous demande pardon, monsieur. Que fais-tu dans ma maison? Je suis venu ici pour vous supplier. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. Pardonnez-moi, pardon. Avant que je ne compte jusqu'à 5, j'aimerais que tu sortes de non, chez moi. Non, ne dites pas comme ça. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. 2. Okudike, s'il vous plaît, pardonnez-moi. 3. Pardonnez-moi. Tu es toujours là. Pardonnez-moi. Okudike. Okudike, je vous en supplie. Okudike, pardon. Hein, pardon, pardon. Naokudike. Hein? Ok, tuez-moi. Ça serait mieux. Je suis comme votre frère. Je vous en supplie. Vraiment que c'était le diable. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Peter. Monsieur. Peter. Peter. Sœur Francisca. Ma fille. Oui, Nai. Mon père m'a dit un jour que l'eau qui est dans le verre est qu'une fois renversée, c'est impossible que l'eau revienne encore dans le verre. Sœur Francisca, nous l'avons tous entendu. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y en a pas. Catéchiste. Père. Oka. Père. Je l'avais déjà dit. Et je le dis encore. Sœur Francis n'ira pas là-bas pour jurer devant Okoko. Ce n'est pas la doctrine du Christ. Ça, c'est ma position. Père. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, père, oui. Mais il pense que, en jurant sur la Bible, vous réussirez. Mais si vous jurez sur les dieux Okoko, vous n'aurez pas la chance de survivre. C'est ce qu'ils pensent. Mais rien n'arrivera. Et maintenant qui vengera la mort de ma mère? Sœur, la vengeance appartient à Dieu. Je veux que tu considères ce moment comme un temps de tentation. Dieu lui-même pourvoira à ses saints. Merci, révérend. Je t'en prie. Tu sais que la Bible a interdit de jurer. Hey, tu veux me faire croire que toi tu sais lire la Bible mieux que ceux qui l'ont lu avant toi? Hein, Sœur Francisca? Hey. Ok. Sœur Francisca, tu n'as pas toujours la morale en place. Et c'est quoi ta décision? Sœur Joy, tu penses qui sont les chrétiens? Nous, bien sûr, nous sommes des chrétiens. Alors Christ a dit qu'on n'ose pas jurer. Oh Jésus! Cela est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 34. Sœur Francisca, Dieu voit seulement le cœur et non les actions.
Je te conseille, ma soeur, de penser à ça avant que ça ne soit tard. Sœur Francisca, j'aurais appris que vous êtes prêt à partir. Oui. Si ça dépend de moi, je te demanderai de ne pas partir haut. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi dois-tu seulement partir? Sœur Monica, nous sommes obligés. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour moi. Merci, je dois partir. Laisse que l'Esprit des dieux t'aide et te réconforte. Amen. Peter, Naï, ce n'est pas ta première fois de venir ici. Prends et jure. Approche. Et enlève cette montre. Donne ça à une personne. Prends. Ogugu, tu es le dieu de nos ancêtres, le dieu de notre terre. Je me tiens devant toi et je jure ainsi. Si je connais ce qui a tué Obidiah, ou je fais partie de sa mort, ne pente pas ma mort. Le Seigneur est avec toi. Vas-y, ma soeur. Sœur Francisca, reviens. Viens. Tu dois jurer, mais sur la Bible. Viens. Avaser les sous-sous. Hey, non, non. Oh, notre Père qui est aux cieux. Tu avais envoyé ton fils unique pour qu'il meure et que nous ayons la vie. C'est pour cela que j'ai abandonné toute ma vie à ton service. Tu m'as toujours ordonné de t'invoquer quand j'ai un problème. Et tu me répondras. Oh Dieu, tu nous avais vus, ma mère et moi, quand nous avions aperçu Naï ou Koudi qui est en train d'étrangler Ogadi. Toi, le Dieu de la vengeance, pardon, mets fin à ce problème. Attends,
J'avais tué ta femme. Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma fille, j'avais tué ta mère. Attends, Bahia. C'est moi qui avais donné cet argent au garçon pour qu'il la tue. Nous l'avons tué. S'il te plaît, demande à ton Dieu de me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Mon Dieu, c'est quoi ça? En tout cas, oh, c'est mon dos. C'est mon des méchants. C'est quoi ça? Hi. Merci, mon Dieu. Merci. Regarde ça. Les idoles qu'un homme a conçues. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas travailler. Ce ne sont que de bois que le menuisier a taillé. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ta parole Jésus est vraie et amen. Amen. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu. Quittons, c'est lui.